Confonf YouTube, bonjour à tous, épisode 5, GTA 5 RP, on est toujours sur Continental. Et ne vous trompez pas, je vais également jouer sur un autre serveur en flic. Donc, comme c'est pas les mêmes serveurs, voilà, vous merdez pas dans la playlist. C'est-à-dire que, comme je vais jouer sur deux serveurs d'ici quelques heures, un serveur où je serai flic et le serveur là où je suis en civil... mélangez pas tout parce que c'est la même carte, mais comme c'est pas le même serveur, bah c'est pas les mêmes joueurs, etc. Bon, alors du coup, ici pour notre petite vie, évidemment, hein. Ici pour notre petite vie, on essaye de devenir concessionnaire. Et pour le moment, on en est là. Voilà, on essaye de devenir concessionnaire, de rencontrer un peu de gens, de voir un petit peu ce qu'on peut faire. et peut-être essayer de revoir le gars d'hier qui était très 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 drôle. Le gars qui voulait soulever absolument tout le monde. J'ai été sur leur Discord d'ailleurs, histoire de voir un petit peu comment on devenait flic ici. Voir un petit peu leur recrutement, etc. Mais pour moi ça n'a rien changé, tu vois. Donc c'était cool. Attends, qu'est-ce qu'il dit lui ? Pardon ? Pourquoi vous êtes moche comme ça ? Bah ta mère elle me touffe très beau. C'est bizarre. Mon pied aussi va te goûter très beau. Ah ouais, ouais, tu peux me taper si tu veux, ça change rien à ton manque de vocabulaire et de respect. Ouais. C'est normal, juste que je fais un tapis qui a pas beaucoup de respect. Donc du coup, mesdames et messieurs... Alors c'est un serveur sans whitelist. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que... Ouais, moi j'ai voilà, dormir parce que je suis fatigué. Il y en a forcément certains, c'est des animaux. Ah ouais. Mais sinon, ça reste un bon serveur et en soi, je pense que... Si vous croisez pas trop les mauvais, ça peut bien se passer, d'accord. Après, je sais qu'il y a des serveurs whitelist, tu vois. Mais le souci, c'est que... Serveur whitelist, c'est vraiment un bordel. Genre, les whitelist sont fermés, etc. Après, je comprends, tu vois. Je comprends que les mecs, ils bloquent les whitelist au bout d'un moment, mais... Du coup, c'est un bordel pour les rejoindre, mesdames et messieurs. Du coup, bienvenue à tous. Et aujourd'hui, du coup, on retourne au concessionnaire. On va essayer de refaire un stage, comme la dernière fois. Et on verra un petit peu ce qu'on peut faire. Et concernant le RP Flic, j'ai été voir sur Discord. Faut postuler, etc. Mais au final, j'ai trouvé un autre serveur où c'est, entre guillemets, un peu plus facile. Donc je vous montrerai ça un petit peu. Après, c'est les screens que j'ai mis sur Insta et sur Twitter, d'ailleurs. Vous irez checker pour ceux qui veulent voir. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un ou pas? J'ai l'impression qu'il est pas là. On va aller voir ça, mesdames et messieurs. C'est bête, j'ai l'impression qu'il est pas là. Parce qu'on avait rencontré un gars hier. C'est pas mon véhicule? Comment c'est possible? Attends. The key aren't inside. Les clés ne sont pas dedans. Comment c'est possible? Mesdames et messieurs, on s'est fait... Le serveur, il m'a volé ma propre voiture ou quoi? Attendez. Bon, après, je connais pas trop les touches, tu vois, mais normalement... Normalement, si je fais U, ça me donne les clés. Les clés ne sont pas à l'intérieur, comment c'est possible? Bon, enfin bref. Bon, de toute façon, ça dure 2 minutes, on va aller voir s'il est là et après on va aller voir ce qu'on peut faire. Alors... Bonjour! Ah, il est pas là. Putain, c'est bête. Putain, c'est bête, ça aurait été tellement drôle. Ah, il est où? Non, il est pas là. Alors, de ce que j'ai compris, comme là, il y a personne, genre personne ne peut acheter de voiture, vous imaginez? C'est-à-dire que là, si vous voulez acheter une voiture, eh ben vous êtes bloqué. Vous êtes fini, finito, finito. Coucou Kairon, bienvenue, bienvenue. Ouais, sans whitelist, c'est vrai que ça peut être compliqué. Ça streamstall cassé beaucoup. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui viennent me parler qu'on connaît pas. C'est notamment la raison. Mais hier, c'était cool, hier. Hier, c'était stylé. Bon, on va chercher... Attendez, déjà, on va faire le tour dans les numéros de téléphone. Je vais essayer d'appeler les gars. Attendez, on va regarder.
Message. Tu es là. Il y a... Les gars roulent n'importe comment, faut le savoir. On va se mettre ailleurs. On va se mettre là. Alors pour info, j'ai mon permis de conduire, malheureusement. Ah si, je sais pourquoi. J'ai pas activé la carte SIM. Attendez. Pas de carte SIM liée. Quel bordel. C'est pour ça. On va y arriver, tutinou. La faim et la soif ne sont pas disponibles. Voilà. Je trouvais ça important. Aussi incroyable que ça puisse paraître. T'as pas besoin de manger, t'as pas besoin de boire, de ce que j'ai l'impression de voir. Après, comme on passe notre temps à se faire écraser, bon, on va dire la faim et la soif, c'est pas forcément la priorité. Là, c'est pour braquer, on va pas braquer, aucun intérêt. Mais voilà un petit peu pour ceux qui. Tu bouges pas, toi, tu restes là. Bonjour, qu'est-ce qui se passe? Tu vas derrière. C'est pas mon magasin, hein. Tu vas derrière, tout de suite. Vas-y, tous tes moyens de communication. De toute façon, j'ai pas de carte SIM. Va derrière, je dis. Ouais, et après? Ah, vas-y, on va... ça va être marrant. Tous tes moyens de communication, j'ai bloqué la J'ai pas de carte SIM. Ouais, j'ai pas de carte SIM, de toute façon. Vas-y. Ça me rappelle tellement Altice, mesdames et messieurs, les débuts sur Altice, vous vous souvenez de ça? Alors Gaël, est-ce qu'on peut avoir ton avis? C'était prévu? Alors non, moi je connais personne, attention. Alors, bonne nouvelle pour lui, j'ai pas de carte SIM. Moi je vais juste me faire une bijouterie, sinon c'est tout. Mesdames et messieurs, je vous laisse noter, je vous laisse voter. Voilà, tu vas rester là. On attend. Et alors, et d'ailleurs, ça me rappelle l'épisode 2. L'épisode 2, on a. Tes moyens de communication, j'espère. On avait fait. J'ai pas de carte SIM, donc je peux pas parler de toute façon. Ok. Du coup, il y a personne, pas de copains qui vont venir et tout. Bah non, y a rien. Ok. Et si j'ai pas de moyens de communication, comment tu veux qu'ils viennent? Ouais, je comprends. Bah par contre, il aura la police pour moi. Du coup, moi, je. Merde, ça c'était pas prévu. À mon avis, y avait rien de prévu, je pense. Non, je crois pas. Non, ça va, je suis sympa, mais je prends juste en otage pour. Au moins, voyez si j'ai demandé un peu une somme pour vous. Négocie une course poursuite. Non, mais t'inquiète même pas la course poursuite, on a même pas de voiture, qu'est-ce que tu veux. Eh non, mais ça fait combien de temps que je me suis pas fait prendre en otage? C'était. Et honnêtement, la dernière fois que je me suis fait prendre en otage, c'était quand? Bougez, vous êtes mort. Et pourquoi vous me tuez? Pourquoi vous me tuez? Qu'est-ce que vous faites? Bande de trolleurs, la vie de ma mère. Je crois que c'est l'un des meilleurs serveurs qui existe. Viper, tu veux pas venir jouer? Tu veux pas venir jouer, Viper? Attends, on appelle les médics. Hein, Viper, qu'est-ce que t'en penses? C'est pas RP ça. Ah bon, tu penses? Viper, tu veux pas juste venir jouer, sérieusement? Eh, hey, honnêtement, je pense qu'on aura tous quelque chose à pas venir jouer. Vraiment, Viper, je pense qu'on est sur le meilleur épisode qu'on ait fait des 4 épisodes jusqu'on a fait à présent, mesdames et messieurs. Je pleure. Et c'est 7 minutes, c'est méga long. Alors d'ailleurs, ça me montre un truc assez étonnant, c'est que hier, on s'est pas retrouvé dans ce menu-là. Donc peut-être que quand il y a des médics, on se retrouve dans ce menu. Du coup, on va pouvoir peut-être découvrir le RP médecin, le RP pompier, le RP ambulancier, je sais pas trop comment ils ont appelé ça. Parce que j'imagine que si on est sur ce menu-là, et que j'ai eu la possibilité d'appeler les médics, peut-être qu'on va avoir une nouvelle, on se donne rendez-vous dans 6 minutes. Allongé. Y'a le pompier! Y'a le pompier qui est là! Je vais te parler comme ça, y'a des gens en braquage et t'as des gros cassos, ils ont tué l'otage. Tu peux. Ils ont pas de vie là, vite ma mère. Regarde-le lui là! Lui, tu le regardes. Rhin, pourquoi tu fais pas un serveur GTA 5? Bah peut-être parce que. Comme on dit, la maladie du troll, tu connais. J'ai des choses à faire aussi, j'ai une vie, mesdames et messieurs. J'ai peut-être mieux à faire. Pédasse comme ça là.
Ils vont tuer le pompier, t'imagines? Ça serait incroyable, mesdames et messieurs. Ça serait incroyable. Alors, normalement, on va se faire. Et moi, je vais aller à l'hôpital, hein. Rien du tout. Hein. C'est encore mieux. Ah, merci, monsieur le pompier. Oula, la coupe de cheveux. Du coup, monsieur, on va continuer. Là, bah non, je vais aller à l'hôpital. Non, tu restes là, tu restes là. Bah tu non restes là. Non, tu restes là, tu restes là. Tu dois rester là. Bah, monsieur le médic, je suis blessé et il me braque. C'est quoi l'intérêt de me réanimer s'il me retue? Ah, je vais pas te mentir qu'il m'a un peu menacé, donc moi j'ai pas trop envie de mourir, j'ai une femme et des enfants. Voilà, y'a une famille à nourrir. Bah, restez pas loin! Bah oui, c'est ce que je fais, je reste pas là. Et la facture, c'est. Ah bah, je suis pas prêt de la payer ta facture, hein. Mais réanime pas si c'est ça! C'est quoi l'intérêt? Réanime pas si c'est ça. Non mais t'as pas besoin de me braquer, t'arrives pas à te défendre quand deux mecs ils arrivent, donc me braque pas, tu vois bien que je fais rien. Ah bon? Tu vas avoir un problème psychologique hein, quand même. Hein. Tu devrais consulter, je pense. On rappelle le médic, il est à côté, mesdames et messieurs. Nouvelle action. Et moi j'ai envie d'aller à l'hosto quand même, hein. Je suis désolé, hein, mais... Bon, je demande pas un truc incroyable, mais ça fait deux fois qu'on me met dans le coma, j'ai peut-être le droit d'aller voir un médecin, tu vois. Alors, ça me saoulerait si c'était mon serveur, tu vois. Là, c'est pas mon serveur. Donc, entre guillemets, c'est comme ça, tu vois. C'est la vie. Ça serait mon serveur, honnêtement. Ça me coûterait de l'argent. Ça me prendrait du temps. Comment ça me pèterait les couilles. Mais c'est pas mon serve. Et en l'occurrence, de ce que j'ai l'impression de voir, tout le monde joue à peu près comme ça pour 50%, on est là-dessus, tu vois. Bon, j'attends le VSAV. Appelez-moi les médecins, j'attends le VSAV. Normalement, il n'est pas loin. Et on essayera même peut-être de porter plainte. Comme ça, et entre guillemets, ça nous permettra de voir un petit peu ce que ça donne côté police, vous savez, pour appeler les... Pour appeler les secours. Best serve ever. C'est possible en effet. C'est possible qu'on soit tombé sur quelque chose de lourd. Et du coup, je me dis, mais... Heureusement que c'est pas mon serveur. Ça serait horrible. La loi de la rue. C'est pas un VSAV, il vient en VL te sauver avec ce que tu prends. Voilà. Non, non, mais moi je vais aller à l'hôpital, moi. Hein. Je vais aller à l'hôpital. Bref, excuse-moi du dérangement. Il va me sauver ou pas? Pensez qu'on va vivre ou là on est mort, mesdames et messieurs. Ah, je peux pas me casser. Je peux pas me casser. Vous voyez bien que je suis dans un état, mesdames et messieurs, où le cassage n'est pas possible. Car comme vous le voyez à votre écran, je dois attendre 6 minutes. J'imagine que dans 6 minutes, je réapparais quelque part. Peut-être au spawn. Ou peut-être à l'hôpital. On va tester un script de nouveau, mesdames et messieurs. La rue Clémenceau, El Famoso, rue ultra dangereuse. Voilà, ça c'est la station de la rue Clémenceau. La station-là, faut pas y aller, mesdames et messieurs. Faut pas y aller. C'est la pire station du monde, cette station. C'est la 24 rue Clémenceau. C'est un quartier qui... Les filles qui vous le diront. 24 rue Clémenceau, station essence, petite supérette là. Ça craint. Même les gangs, ils osent pas venir ici. Pour vous dire, d'ailleurs, on n'a pas croisé les gangs encore. Je me demande ce que ça donne, les gangs. Quand je vois ce que ça donne certains, je me dis, les gangs, qu'est-ce que ça doit être? À mon avis, il y a peut-être plus de vocabulaire chez les gangs, j'espère. Tu vois, c'est ce qu'on aura peut-être l'occasion de voir, je pense, hein, vu comme c'est parti, dans 2 minutes, on est pris en otage dans une voiture. Donc, on ira voir un petit peu ce que ça donne. Non, non, j'attends, je veux voir où on revient. Ah! Ah. Ok. Oh, je suis un peu déçu. Alors par contre, on va pas pouvoir faire grand chose parce que... Je crois que je suis toujours menotté. Eh, le médic qui s'est barré, mesdames et messieurs. Le médic qui s'est cassé, vous le croyez ça? Maudit médic. Alors là, on a une question intéressante. Donc, je suis menotté, j'imagine. Bon, l'animation est plus là, mais je crois que je suis toujours menotté, donc je ne peux plus me déplacer. Du coup, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Vous voyez ce que je veux dire? Ah! Qu'est-ce qu'il fait?
Ah si, je suis toujours menotté. Autant pour moi. Ah, je me disais bien que c'était bizarre. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on est menotté? Dans la logique, j'imagine que je devrais pouvoir peut-être casser mes liens au bout d'un moment. Ah. J'ai peut-être réussi à casser mes liens. Ou alors, je dois juste... C'est ma vie. Alt F4. Oh! Attendez. Laissez-moi me démenoter. Alors c'est vrai que c'est intéressant, cette question. Non, parce que ça peut vous arriver. Qu'est-ce qu'on fait quand on est menotté? Déjà, F1, F2... Je pense pas que je sois en émoticône, là. F5. Démarche normale. C'est vrai que c'est une bonne question. Comment on fait qu'on est démenotté? Oh, le jeu de rôle ici. Et GTA Online. Mais il y a des voitures modées, tu vois. Moi, j'aime bien les voitures, mesdames et messieurs. Yo, Katuli, bienvenue. Pourquoi t'es en online? Non, non, c'est censé être du roleplay. Ah, c'est celui qui a des problèmes avec sa famille, lui. Ah, je me disais bien. Allez. Voilà, elle revient pas. Il est vraiment mauvais, lui. J'étais menotté et j'ai réussi à le mettre au sol. Putain, c'est dingue qu'ils aient pas pensé à ça. On est full bugué, là? Le jeu de rôle, il était là-bas, le jeu de rôle, là. Là-bas. Le respect, il a été mangé, mesdames et messieurs. Il est là, c'est une glace, le respect, ici. Ah, mais c'est dingue que... C'est dingue qu'on soit bugué comme ça, par contre. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais devoir me... Ah, attendez. Genre, on peut plus rien faire. Putain, c'est marrant que ça arrive qu'à moi, ça. Ah. Tu es bloqué en mode menotté à cause de l'otis qui s'est fait ban perma. Dans ce cas-là, faut tenter de décorer quoi, désolé. Ok. Ça marche, pas de soucis. Je reviens. Mais j'espère que je vais pas faire ça toute ma journée. Hein. On se reconnecte. Reconnectons-nous. Alors du coup, il y a bien des gars qui modèrent le serveur. Parce que c'est vrai qu'on pouvait se poser des questions sur... Est-ce qu'il y a des gens qui modèrent? Il y a bien des gens, mesdames et messieurs. Retournement de situation. La pièce a l'air tombée. Il y a bien quelqu'un. Je me disais bien, eh, c'est quand même... ça me paraissait bizarre qu'il y ait genre zéro mec pour faire le staff. C'est... Un serveur whitelist, t'es obligé d'avoir des mecs au-dessus, tu vois. Bon, on ira faire une demande de remboursement parce qu'il m'a volé 150 000 dollars, on est d'accord, hein. Allez, on se reconnecte en avant. C'était 300 000 qu'on s'est fait voler sur ce braquage-là. Qu'est-ce que c'est, 300 000 dollars pour essayer de recommencer à vivre? Voilà. C'est vrai, 300 000 dollars. C'est ça, c'était ça. C'est ce que... Tu sais, quand je fais mes pas, je me dis... Il manque 300 000 dollars. Et une voiture aussi. Je crois qu'il m'a aussi volé une voiture. Qu'est-ce que c'est, 300 000 dollars? Voilà, je vous le demande. Hein? C'est pour aider les hôpitaux. on peut viser les 500 000... Non, mais c'est vrai qu'on peut viser... Moi, j'appelle les flics, je veux remboursement du dédommagement, là. J'ai subi un préjudice moral. Je demande remboursement. Et je veux une Vulcaine aussi. Et je veux licencier le médic aussi. Voilà. Pour mon... J'ai été attaqué, mesdames et messieurs. J'ai été attaqué. Et je veux un compte Netflix aussi. Et un compte Disney Plus en 4K. Voilà ce que je demande. Sur un free access avec 300 000, tu vas pouvoir t'acheter une Twingo et deux sandwichs. Non, t'es fou, j'ai réussi à avoir des voitures trop stylées. J'ai un super 4x4 et une Golf. Faut que je requitte tout, j'ai tout bugué. Bon, j'arrive. Yes, yes, yes. On est bon. Alors du coup, initialement, on venait ici pour acheter une carte SIM quand même. Et au final, on s'est fait braquer. Ça a un petit peu dégénéré. Ah bah, bonne nouvelle, on va pouvoir prendre sa voiture. Après, comme il m'a pris en otage, je pense que voler sa voiture, c'est injuste. On est sur quelque chose d'honnête. Alors, attendez. On va faire ça.
Ah ouais, alors faut pas que je retire trop. Et d'ailleurs, j'ai lu dans le règlement, je crois que les gars n'ont pas le droit de me braquer et de me faire retirer mon argent. Je crois. Je crois que sur certains serveurs, c'est autorisé. En mode, si le mec, il vient avec une arme, il te dit « Retire ta thune ou je te bute », sur certains serveurs, c'est « Niet », tu vois. Et sur d'autres, ils ont le droit à une certaine somme. Donc bon, autant vous dire que... on va... en tout cas, l'argent qu'on a sur nous, je crois qu'ils peuvent le prendre. Mais ce qui est en banque, peut-être pas. Du coup, je suis obligé de me balader avec quasiment pas d'argent. Et oui, 1000. Et 1000, c'est largement suffisant, 1000. Largement suffisant. C'est goodbye. Bon. Bah écoutez, hein, mesdames et messieurs. Une vidéo, une voiture. Aujourd'hui, Audi Q8. Bon, rassurez-vous. Je la rends, hein. Juste pour m'emmener de l'autre côté. Eh, elle est belle, hein. Punaise. Sartek. Merci, Guillaume. Guillaume Kissabelouane. Merci à vous, guys. Ça fait plaisir. Je dirais, ça me permettra de me reconstruire après ce braquage. Elle est vraiment jolie, hein. Alors, je sais pas si c'est eux qui font leur propre voiture. J'ai vu qu'ils avaient une boutique VIP où ils vendaient les bagnoles. Donc, peut-être qu'ils font leur voiture à eux. Parce qu'elles sont vraiment le modèle 3D et... pourtant, je m'y connais un peu en voiture, hein, tu vois. Sur Arma, on a aussi des voitures à nous. Mais j'avoue que sur GTA, c'est quand même vachement joli. Hein. Visuellement, tu vois, c'est beau. C'est beau. Je peux avoir les clés du véhicule? Ah, je me disais bien qu'il fallait pas non plus trop demander. Bon, alors une carte SIM. Je pense que ce sera... ah, Superette. Ah, bah évidemment, on est bête. Hein. Évidemment, boutique. Waouh! Eh, il est pas incroyable. Regardez-moi ça comme c'est beau. Audi Q8. Le dernier bébé de chez Audi. Le grand frère du Q7. Le plagiat du Lamborghini Urus. Il a le même châssis que le Lambo Urus, pour information. On est sur un véhicule beaucoup moins... enfin, beaucoup moins puissant. Moins puissant que le Lamborghini Urus, parce que sinon, les gens l'achèteraient pas. Donc, comme c'est Audi... voilà, ils ont fait un petit truc un peu plus gentillou. Mais pour ainsi dire, c'est peut-être un meilleur rapport qualité-prix que le Lamborghini Urus. Après, devant, c'est floqué Audi. Mais pour ceux qui savent pas, Audi appartient à Volkswagen. Et Lamborghini également. Donc du coup, voilà. C'est un bon achat, je pense. Si parmi nous, on a des gens qui ont les bourses assez larges, le Q8 peut être un bon achat. Je l'ai déjà vu in the real life. On est sur quelque chose d'assez... on est sur quelque chose d'assez lourd. Mais non ! Ma voiture! On n'a plus le droit d'y aller maintenant. Pourquoi on peut pas rester dedans? Je vais à la boutique et je leur dépose! Oh là là! Les mecs, ils prennent en otage tout le monde et moi, je peux pas prendre une voiture qui est ouverte. Promis, je l'abîme pas. Je la prends et je la dépose. Et promis, promis, je... juge la gare là-bas. Je fais juste ça. Ah, c'est pas possible. On va devoir y aller à pattes, mesdames et messieurs. On va devoir y aller à pattes. Ah, ok. Je me disais, bordel, ok, c'est pas cool, mais... putain, je... la voiture, elle est ouverte, c'est pas... c'est pas pour autant qu'ils... mais en fait, c'est pas de leur faute, c'est un hacker qui fait chier tout le monde. Je me disais, bordel, merde quoi. Je vole une voiture. Et si tout le monde était comme moi sur le serveur, ce serait Bisounours City. Hein. Bon, on attend. Ah, c'est le RSQ8. Ah, je sais pas du tout. RSQ8. Mon rêve. Bon, bah, vous savez quoi, on va regarder la bagnole. Je me disais, putain, il y a un admin qui m'éjecte de la bagnole. En plus, au début, je me suis dit, est-ce que ça s'est pas écrit admin sur la plaque, tu vois? Et comme il y a un admin qui est venu là pour bannir l'autre, est-ce qu'il serait pas en mode, écoute, par contre tu laisses ma voiture tranquille, tu vois? Mais juste je la déplace, tu vois, il n'y a pas de... je la mets là-bas, tu vois, pour comme ça, pour aider, tu vois. Elle était mal garée. C'était pour éviter qu'elle se fasse voler. Il est beau, hein. Il est beau. Du coup, si c'est le RSQ8, je connais pas les paires du RSQ8. Ah, c'est bon. Oh! Et ils ont fait le tableau de bord contour. Punaise.
C'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Oh, il y a le petit pop and bang. Ça crapote. J'aime bien quand ça fait ça. Alors, boutique. Allez, on parie. On s'est prendre en otage ou pas? Ça manque quand même, hein. Ça fait 10 minutes qu'on s'est pas fait prendre en otage. Je trouve que ça manque. Faire insulter par un enfant, ça commence à me manquer. J'en ai besoin. Oh, il y a quelqu'un. Bonjour. Ok, je viens de me faire troller par le jeu. Qu'est-ce qu'on achète ici? Alors c'est marrant, il y a à boire et à manger, mais je comprends pas l'intérêt. Parce que j'ai vraiment l'impression que la fin n'existe pas dans ce monde. Coucou Fra, c'est quoi le serveur? Tu veux pas savoir. Je t'assure, tu veux pas savoir. 100%. Oh, il y a des bouquins pornographiques derrière. C'est quoi le serveur? Alors je voudrais... Oh! Ah mince! Rien. J'ai récupéré plein d'armes. Je sais pas ce qui s'est passé. Ah! Ah! Vous savez quoi? Il y a 30 minutes, je me suis aperçu que j'ai gagné Valorant. C'est vrai? Oh, bien joué, Jordan. Ah! Alors, imaginez, contrôle de police. Bah, monsieur, vous avez des armes sur vous. Ah! Alors, c'est... Attention! Ah! Ah bah voilà. Eh, je me disais aussi que c'était quand même... Il s'était passé quelque chose entre la fois d'avant et là, où genre, j'ai trouvé des armes partout, tu vois. C'est bon. C'est revenu. Alors, monsieur l'agent, comment vous expliquer? Alors oui, oui mais non. Oui mais non. Alors non. Alors, c'est pas mes armes. Quelle histoire, mesdames et messieurs. Quelle histoire. Quand c'est que tu viens, Thibaut? Ça manque. Du coup, GG Jordan. Alors du coup, le nom, c'est quoi? C'est Continental. Et entre guillemets, l'avantage du serveur, pas de whitelist, voiture modée, 250 joueurs, pas de PNJ. Donc, c'est cool. Après, j'ai le plaisir de voir qu'il y a des modérateurs et des staffs. Donc, mais pff, bon courage à eux, parce que vraiment, 250 joueurs... Même si t'as que... Même, je sais pas, même si t'en as 50% qui jouent bien, 50% qui font n'importe quoi, ça fait quand même une paire de joueurs à modérer. Hein. Alors, on m'a dit CNN pour acheter une carte SIM. J'ose plus aller voir les mecs, la moitié d'entre eux, ils insultent pour rien, donc... Allez, on se refait un test. Vous êtes prêts? On se refait un test, on retourne au parking, on va aller demander. On va aller jeu de rôle, mesdames et messieurs. On va demander à d'autres joueurs de l'aide. À d'autres citoyens. Vous êtes prêts? Oh, j'adore ce 4x4, hein. Sérieusement. Oh, parfait! Waouh! Qu'est-ce qui s'est passé encore ici? C'est normal, rassurez-vous. Ah yes, le concessionnaire, il est ouvert! Ah, trop bien! Oh, regardez la voiture de police! Il se bat avec un sextoy? Ah oui, il a un sextoy! Il a un gun miché dans les mains! Le gros truc rose qu'il y avait là, c'est un sextoy. Ça ne peut que mal finir. Ah, il y a Spider-Man qui est passé là. Je crois que c'était un sextoy. Oh le sang. Oh le sang, viens. À qui? Le sang, viens. Oh là là. Oh là. Oh là. Toujours autant le bordel, ce concessionnaire. Hein. Ce lieu de criminel. Est-ce que c'est notre pote? Ah, je vous ai donné votre ah c'est le patron. Monsieur, vous m'avez donné la clé. C'est ouais, le patron bien, qui est là. Parle bien. Mais est-ce que j'ai une question, monsieur? Mon costard, il est beau? Non. Oh, attendez, j'arrive là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont toujours en train de se goumer là-dessus. Je sais pas si c'est normal de se frapper sur GTA RP. Ils sont toujours... Descends. Ils sont toujours en train de se mettre des coups de poing, etc. C'est... Je sais pas pourquoi ils font ça à chaque fois, tu sais. Tu parles à un mec, le mec il vient, il te met une patate. Alors que tu ne le connais absolument pas, et que tu ne lui as absolument rien fait, tu vois.
La moitié. Et je connais personne, tu vois. Il y a toujours des mecs pour m'insulter et mettre des patates. C'est très perturbant. C'est très perturbant cette manie de vouloir se battre sans arrêt avec son prochain. Pour moi, c'est un manque de confiance en soi. Ou alors on est sur une. On est sur un syndrome pathologique de type nécessaire un traitement à vie. Et tu peux pas avoir la haine envers tout le monde, tu vois. Il y a un mal-être intérieur, vous voyez ce que je veux dire ? Obligatoire quelque part. Éducation minimum ou alors pas d'éducation du tout. Donc du coup tout le monde s'est barré, quoi. Très bien. Ça va pas nous aider dans nos affaires, ça. On va peut-être pas aller demander aux flics, ils sont occupés, hein. Je pense qu'ils ont mieux à faire que renseigner un gars qui cherche une carte SIM. Et ils sont tous barrés, en fait. Très bien. En mode, le mec, il est venu, il a pris sa voiture, il s'est barré. Ah, on m'a volé mon 4x4 aussi. Enfin, on m'a volé mon 4x4. J'en fais... Ah bah, y'a un gars qui est mort aussi. Quel bordel. Ah, je crois que je le connais, le gars qui a les cheveux blancs, là. Est-ce qu'ils sont en train de voler la voiture de flic ? Qu'est-ce qu'ils font là-bas aussi ? Ah, moi je découvre avec des yeux émerveillés ce qui se passe ici à chaque fois. Bah, il pourra peut-être nous renseigner. J'imagine qu'une fois qu'il a tué tous les flics, il pourra peut-être nous aider. Bonjour ! Bonjour, c'est à qui la voiture là ? Bah, si vous voulez, je vous la prête, je cherche une carte SIM. Ah bah tiens, je t'en donne une. Ah bah parfait. Mais sinon, je peux les avoir où pour plus tard ? Sur le L. L. GPS. Ouais, je vais regarder. Merci. Vous êtes concessionnaire ? Oh, oui. Le mec, il vole des voitures, il est concessionnaire. Pas de carte SIM liée. Alors, K. Je comprends rien du tout au principe du téléphone. Alors, il a dit le L. Ah, c'était chez Lester. D'accord, donc une carte SIM, ça s'achète là-bas. Et ils auraient pu mettre un logo SFR ou Orange, hein, c'était quand même beaucoup plus simple. Alors attendez, mesdames et messieurs, un super qui commence, qui cherche. F5, inventaire, carte SIM utilisée. Ah mince, j'ai changé de numéro de téléphone du coup. Pas de carte SIM liée. Utilisée. K. Est-ce que c'est bon là? Ah! Ok. Alors c'est chiant, j'ai perdu un contact. Peut-être qu'il s'est fait bannir. Eh mon 4x4! C'est le mien! Quelle bande d'escrocs. Y'a vraiment personne d'honnête sur. Attends, c'est lui que je connais! Je crois que c'est lui. Excusez-moi! Monsieur! Bonjour! Bonjour. On se connaît pas, je. Non, c'est pas vous? Je sais pas. Qui m'avait offert une GTI rouge? Non, monsieur, c'est un petit peu le fesse pour, de mon côté. Hein. Ah, désolé. Parce que vous avez la même coupe de cheveux, c'est pour ça. Désolé. Et le même sac à dos d'ailleurs. Ah, ok. Bah, non, c'est pas moi. Moi, de base, je suis comme ça, monsieur. D'habitude, moi, j'ai une autre tenue. Je suis juste. Parce qu'il y a les policiers. Mais pas, j'ai un masque, mais c'est pas celui-là, mais... Non, mais rassurez-vous, j'ai pas vu votre visage, je saurais... Pas de soucis. Ok. Bonne journée, ouais, j'ai tout oublié. Au revoir, on s'est jamais vu. Non. Il a la même coupe de cheveux, le gars qui m'a aidé la première fois. Donc voilà, je me suis dit que c'était peut-être lui. Bon, on m'a chourave mon... Oh là là. Oh là là, les garçons. Hein. Toujours à se bagarrer, les garçons, hein. C'est dingue, ouais, hein. Monsieur, vous avez... C'est dingue, hein, cette manie à se battre sans arrêt. Mais les flics, ils sont là, il est là, le flic. Regardez, là, c'est un flic. Cette manie qu'ils ont toujours à se tabasser à coups de barre de fer. On les... Non, mais vraiment, hein, on peut... Hein. Oh là là, les garçons. C'est... Mais c'est plus fort que ça, c'est les phéromones, ça. Ça, c'est les phéromones, ça, c'est... C'est évident, ça. Bon, on va aller au garage à pied. J'ai aucune envie de monter dans la voiture d'un des mecs. Ça, c'est les phéromones, ça. Hein. Ça, c'est... Ah bah, un 4x4 est revenu, tu vois. Ah, monsieur.
quelqu'un dedans là? Ah non, parfait. Ah, par contre, c'est mon 4x4 hein. De... Ah, je suis désolé, c'est le mien. Bon, maintenant c'est le mien. Ah bah non! Oh là. Ah, on s'est fait bannir? On s'est fait kicker. Qu'est-ce qu'on a fait encore? Putain, ce serait dingue que ce soit moi qui me fasse bannir. Je fais rien du tout. Je suis le joueur le plus... Le moins chiant de tout le serveur. Mesdames et messieurs, c'est honteux! J'ai rien fait! Ça serait incroyable. J'ai rien fait! C'est peut-être pour ça. Je devrais insulter tout le monde et me battre avec tout le monde, mesdames et messieurs. Peut-être moi qui joue mal, hein. Après, j'ai volé une voiture, je reconnais que c'était pas très gentil de ma part. Non mais c'est vrai, j'ai volé une voiture. Après, peut-être que ça méritait pas un kick, hein. Entre guillemets, bon. Elle était ouverte, il n'y a pas eu d'agression. Je sortais d'une agression. Voilà, j'ai tenté... Faites conforme aux règles du serveur. Alors cela dit, leur menu de chargement est très joli, je reconnais que... C'est quand même vachement stylé. Bon, on retente. Bon, on est de retour. Pour vous jouer un mauvais tour, normalement j'ai une carte SIM. Ah mais il est encore là lui. Bon. Allez, on retente. Ils sont encore en train de se battre. Mais ils sont insupportables. Pourquoi vous tapez ce jeune homme, monsieur? Monsieur! C'est pas comme ça qu'on règle des soucis! Monsieur, ça va? Oui, ça va. Parfait. Faut pas vous laisser faire comme ça, monsieur, mais... J'ai vu que vous êtes pas défendu, mais... N'hésitez pas à vous défendre avec des mots, yo. Oui, oui, attendez, je me repose sur le sol. Pas de soucis. Bonne journée, monsieur. Au revoir. Au revoir, monsieur. Toujours à se bagarrer, ils sont insupportables les enfants. Hein. Ça c'est les garçons ça. Ça c'est sûr ça. À se demander comment ça se passe à table à la maison, tu vois. Je sais pas, les parents ils doivent se cogner dessus ou je sais pas, c'est... Un rite tribal, tu sais, c'est... C'est comme ça qu'ils se disent qu'ils s'aiment, hein. J'imagine. J'imagine que on ne peut pas comprendre, mesdames et messieurs, c'est... Des autres mœurs. Enfin, personnellement... Voilà. Je dis je t'aime d'une autre façon, mais c'est vrai que... Peut-être que... Voilà, une bonne bastonnade de temps en temps, voilà, ça... Ça resserre, ça rapproche. Pour le coup, ça rapproche vraiment, tu vois. Ça rapproche les gens. Peut-être ceux qui ont raison, hein. Mais je pense que, pour jeu de rôle, c'est quand même plus simple si on pouvait communiquer tous ensemble, sans forcément se démonter la gueule. Bon... Est-ce qu'on n'irait pas chercher du travail? Alors vous allez me dire... Tu veux plus faire concessionnaire? Bah si. Mais genre, il y a personne qui taffe aussi. Alors on va se garer. Attendez, on va se garer. Parce que moi, ce que je voulais faire, c'est vendre des voitures, mais... Bah, le patron... Je crois que c'est comme le respect. Il a disparu. Et depuis, tout le monde le cherche. Alors, carte SIM. Carte SIM. Non, ça fait chier d'avoir changé de numéro de téléphone. Bon, est-ce qu'il est là, lui? Tu es dispo? Putain, c'est con, on a perdu le contact. Le gars qui voulait défoncer tout le monde. Enfin, vous allez me dire, lequel, Ra? Lequel? Le premier, le gars qui était ultra vénère, qui voulait frapper tous les gens. Celui qui vendait les voitures, qui avait le nez noir, il s'était tatoué les lèvres. Et ben, lui, il était trop stylé, tu vois. Et je sais pas ce qui s'est passé. J'ai perdu sa trace, mesdames et messieurs. Ouais, mais moi je veux être patron du conseil. Enfin, pas patron. Mais genre, j'aurais bien aimé. Ah, attendez, il y a des gens. Il est peut-être là. On va aller voir ça. D'ailleurs, c'est incroyable, il n'y a plus de voiture. Attendez, on va bien se garer. Parce que je passe mon temps à dire que les gens ils font vraiment aucun effort. Ah, merde, vous vous trompez de ça là. Non, mais arrête de te foutre. Hein. Genre, tu t'es trompé. Ah, ouais. Ah, ouais. Avec le voisin qui s'est trompé, je pense plutôt. Bon, en avant. Monsieur. Ah oui. Ah trop bien, il y a quelqu'un. Bonjour. Oh, oh putain. Merde, excuse, Rouya. Non mais... Oh, qu'est-ce que je suis agité aujourd'hui, monsieur.
Non mais, je vous l'ai dit. Ils passent leur temps. Arrêtez de sortir vos points. Là, c'est lui là qui cherche. Qu'est-ce qu'ils... Pourquoi ils font ça chaud, les garçons là. J'ai chaud monsieur, excusez-moi. C'est toujours, c'est les phéromones ça. Ça c'est. Ouais, j'en mets une là, putain. Quelle histoire, c'est hein. Trop chaud, c'est trop chaud. Ouais, ta gueule. Oh le RS8 il est trop beau. Pardon, chef. Ah ouais sans whitey ça ressemble à ça. Oh il y a quelqu'un. Ouais ouais vas-y comme toi. Ah c'est l'agent de sécurité. Arrête. J'ai une photo sur la tête. Non, ah, j'en ai... Attends je sors le mien. Allez ça va se tirer dessus. Pas besoin les gars, pas besoin. Ouais pas besoin comme il dit, pas besoin. Alors pour information, hier on a découvert qu'il y avait des... Qu'il y avait des agents de sécurité. En fait, dans les, bonjour, petit zizi, dans les concessionnaires, allez, ils mettent des agents de sécurité. Tellement c'est le bordel. Ma femme. Voilà. Quel bordel. Eh, hey, viens là. Ah oh, ouais. Oh, du coup, il n'y a personne. Voilà, mesdames et messieurs. C'est des cow-boys. C'est vrai que... C'est des cow-boys, mesdames et messieurs. Pourtant, je sais qu'il y a du RP sur Red Dead Redemption, avec du coup le contexte cow-boy, mais je pense qu'ici, ils l'ont implanté aussi, tu sais. Ils ont tous le sang chaud. Tout le monde est chaud, tu vois, sans raison. C'est le temps. C'est les phéromones, mesdames et messieurs. Fait policier. Et honnêtement, je pense que sur ce serve, policier, c'est modération. Hein. À mon avis, t'es staff, hein. T'es modo, tu vois. Tu fais régner un semblant d'ordre. Et 4 millions de vues, c'est vrai, sur Twitch déjà à tous. C'est grâce à vous, mesdames et messieurs. Bon, YouTube, oubliez pas. Pouce bleu, vous me direz ce que vous en avez pensé en commentaire. On va essayer de voir, parce que comme je fais des épisodes d'une heure, on va essayer de voir, il reste 20 minutes pour cet épisode incroyable. Est-ce qu'on va réussir à faire quelque chose? Ouais. Elle est plus en moi. Ah. Je suis pas au courant. Peut-être le vendeur, je crois là. Qu'il va... On attend. 500, 600, non ouais, mais RP Viking. Et le futur jeu d'Assassin's Creed, il a l'air tellement bien. Ouais. Avec le Viking, etc. On va aller au Valhalla, mesdames et messieurs. Ouais, sur Minecraft, je sais que ça existe. C'est vrai. Je me contente de... T'es chi. Non, c'est pas un véhicule, hein. Mais moi, je veux un véhicule qui tient la route. Je fais des... Je filme. Un véhicule lourd, quoi. Tu sais, moi, j'ai une R8. C'est archi bien. R8. Ouais, R8. Bah, l'inconvénient, c'est qu'il y a que 2 places, quoi. Oh, 4 places... Hyper spicace, le monsieur. Ouais, le prochain Assassin's Creed, il a l'air trop bien. Un clagé, j'ai pas d'argent. C'est pas top. L'M4, full custom, j'avoue que ça monte à 400, non? Je sais même pas, j'ai jamais essayé. J'ai que essayé M5, R8, Ferrari aussi. Parce que je vous avoue que j'avais la M5 avant, mais c'est pas top. Ah bah vas-y, c'est calmé là. Beaucoup plus intéressant. Elle est lourde. Ouais, elle est lourde, elle... Ouais. Genre un camion de truc. Et là, il y a un concessionnaire ou pas? Il y a PNL, mesdames. Mais j'ai jamais su... Ouais, il est là. J'ai jamais su quoi prendre, en fait. C'est qui? Celui là-bas? C'est le mec au comptoir, là. Ah, merde. Attends, j'attends pour rien. Le concess. Hé, reviens. Je comprends plus rien. C'est toi le concess? Oui, c'est moi le concess. J'ai besoin d'un T-Max, s'il te plaît. D'accord, venez. Oh, y'a des T-Max et tout. Allez, c'est bon, on sait qui. Moi, je pensais que c'était l'autre là-bas. Non. Oui, bien. Ça va, moi, je m'en vais. C'est la meilleure voiture de la ville. Monsieur. PNL, mesdames et messieurs. Ouais. Vous avez vu? Non, les Mercedes. C'est 1 100 000, c'est monsieur. Le... Ouais, c'est les bras plus, après. ODD. Après, Mercedes, la GT. Regardez-moi ce BG, là, mesdames et messieurs. Moi, j'ai toujours voulu avoir la S65. Regardez-moi ce BG. Voilà, je vais aller vous chercher. Pure lover, mesdames et messieurs. Pure lover. Performance, je la connais. Regardez-moi cette beubare. Je l'ai jamais essayé. Je la vois, je l'ai vu une fois. C'est bon, ça monte à 300, ah que ça coûte. Bah si, c'est PNL. Ouais, c'est un peu de la douille. Il y a aussi, machin et machin. Je connais pas les prénoms. Et ouais, je l'ai jamais fait là, ça. C'est pas des voitures de coupe. Ah voilà, c'est des berlines. 100% c'est eux. Ouais, c'est des berlines, mais bon, ça... 100. PLS, pas PNL. Ouais. Après, c'est un peu c'est kiff. Pourquoi? Je sors le véhicule. Oh. Tenez, monsieur les clés. Ouais, c'est bon, vous pouvez aller chercher votre véhicule qui est une Mercedes, c'est pas électrique. Oui, vous avez reçu les clés, monsieur. C'est... Ouais. Je vois. Si, monsieur Benzema, c'est ça. Autrement, bah après. 4x4. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le patron? Non. On recrute pas, monsieur. Ah, parce que hier, j'ai vu deux de vos collègues, du coup. Vous faites pas du boulangerie, vous? Un qui m'a dit métis et un black avec un tatouage sur le visage.
En vrai, pas monsieur. Un écho. Ok. Pas de stage. Pas de stage, monsieur. Désolé. Moi, ça marche. Merci, bonne journée. Et au revoir. Oui, là. Bon, mesdames et messieurs, tant pis. Moi, je suis qui ? Hier, on a réussi à se faire prendre en stage quand même. Hein. Bon, en avant. Du coup, mesdames et messieurs, on va devoir chercher un vrai travail, malheureusement. Tout ça pour ça ! Eh ben, écoutez, c'est pas de ma faute, hein. C'est pas de ma faute. Mais c'est marrant, si c'est pas le patron, comment il sait qu'il recrute pas ? On reviendra quand ce sera un autre. On reviendra quand ce sera les autres. Parce que les autres, ils m'ont pas dit que ça recrutait pas, les autres, c'est pour ça. Peut-être qu'ils ont embauché entre-temps, hein. Alors oui, travail. Allez, juste pour le plaisir, pourquoi pas voir à quoi ça ressemble. Travailler. Jamais essayé. Oh, j'adore ce 4x4, hein. Vraiment, il est trop bien. Alors, travailler, mesdames et messieurs. Vous pensez que c'est bien, travailler? Est-ce que vous pensez que ça va nous plaire? Waouh. Alors, travailler. Je travaille, tu travailles, vous travaillez, le travailleur. Ça se passe ici. Alors, je sais pas pourquoi ça fait ça dès que je passe sur les petits trucs là. Oh là, y'a un gars devant là. Pas touche au 4x4, hein. Qui c'est qui est devant là? Ouais, j'ai pas confiance. Il va me voler le 4x4 que j'ai volé. Merde. On va se garer ailleurs. Comme j'ai pas les clés, j'ai pas envie qu'on me le vole. Ah, c'est bon. Ok, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme travail? Et bon, on va aller voir ça. On va aller voir, mesdames et messieurs, si nous avons beaucoup de chance ou pas. Non, mais ils vont me voler mes bagnoles si je les mets derrière. Bonjour William, comment vas-tu? Alors, on peut être pêcheur, bûcheron, mineur, abatteur, couturier, chômeur. Actuellement, je suis sans emploi, vous devez vous en douter. Pêcheur, j'ai déjà fait. Couturier, j'ai jamais fait couturier. D'ailleurs, entre guillemets, s'il y a bien un job que j'ai pas envie de faire, c'est couturier. Donc, quitte à travailler, autant faire quelque chose de déplaisant. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc on est couturier. Alors, ça n'a pas expliqué grand-chose. Vestir couturier. Bon, écoutez, on va aller se renseigner auprès des collègues. Ah, c'est l'ambiance sonore du jeu. À chaque fois, j'ai l'impression qu'il y a des flics derrière moi. Ah, c'est... Je vois un feu rouge, c'est plus fort que moi, je dois m'arrêter. On va aller voir les collègues, mesdames et messieurs. Fais de la drogue au début? Non, on peut pas faire de drogue. Enfin, tu sais, faut trouver les points, etc. Bon, j'ai pas envie de passer 2 heures à... Déjà qu'il m'a fallu une demi-heure à trouver une carte au SIM, alors je vous laisse imaginer. Couturière Park. Non mais il faut bien. Faut bien qu'il y ait des gens qui fabriquent des habits, tu vois. Oh là. Ah, j'ai cru que c'était des flics. Ah non. Oh, il est tellement lourd ce RSQ8. Non. Faut faire gaffe, il y a des radars. Après, je m'arrête pas à tous les feux, mais regardez les retours qu'il fait. Petit commissariat qui est là, pour ceux qui connaissent pas. Attends, on va se faire un petit lunch control. Ah non, on va pas en faire un en fait. On va attendre un petit peu avant de faire un lunch control. Par contre, je suis très curieux de voir un petit peu à quoi ça ressemble. Bonjour, vous allez bien? On va pas voler une voiture de police, rassurez-vous. On regarde. Il est tellement beau, sérieusement. Ah, je peux pas m'empêcher, faut que je regarde. On monte pas dedans, on regarde juste avec les yeux.
Ah ouais. Oh là là. C'est pas compliqué à faire, pourquoi on n'arrive pas à faire ça sur Arma for Life? C'est tellement stylé. Et normalement je pense qu'il y a les feux qui... Il y a les feux qui clignotent de tous les côtés. C'est propre hein. Sur le serveur où on est flic, je vous montrerai. Ils ont des véhicules comme ça aussi. Il y a l'ordinateur et tout hein. Regardez comme c'est stylé. Ça manque un peu de lumière sur le côté. Ah ouais, avec les feux et tout. Moi j'aime bien. C'est très stylé je trouve. Ils ont dû mettre un mode pour les lumières. Alors c'est marrant, ça se... Ah si, ça se reflète un petit peu devant. C'est stylé hein. Et ça fait pouet pouet pouet. Moi j'aime bien les sapins de Noël, vous le savez. Et j'avoue que les véhicules de police américains, ils ont quand même la classe. C'est très 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 beau. J'aime bien. Alors je sais pas ce que c'est par contre, j'ai pas réussi à reconnaître. Qu'est-ce que c'est? C'est un Chevrolet. Qu'est-ce que c'est comme Chevrolet ça? C'est un Chevrolet Shérif. J'arrive pas à voir ce que c'est, ils ont désiglé le modèle. Oh! Et à l'arrière, ils ont des trousses de soins et tout. Des trucs de first aid, ils ont un sac. Oh! Il y a la séparation entre conducteur et passager. Avec une grille. Ils ont gardé les sièges. Parce que sur certains véhicules de police, c'est des bacs en plastique qui, à l'arrière, c'est plus simple à nettoyer. Et à l'avant, l'ordinateur, etc. Avec là, les petites LED qui, normalement, sont contrôlables de l'intérieur. Je parle de ça, là, les oreilles de Mickey. Ça claque, hein. Putain, il est beau. Je sais pas qui c'est qui l'a fait, mais il est joli. Et à l'intérieur, on a l'ordinateur, la dashcam, peut-être un radar. Avec tout ce qu'il faut pour tout allumer, etc. Évidemment, on appelle les flics. Bah tiens, et on a une bonne raison d'appeler les flics, là. Téléphone. C'est shérif. On peut pas les appeler? Bonjour. Vous êtes là. Monsieur A Super qui devient indic des services de police. Appelez le standard, on réessaye. Hier, on m'a dit que ça servait à rien, mais... Ça me fait plaisir. C'est quand même important, tu vois. Tu vois une voiture de police, tu te dis, c'est pas normal. On appelle, mesdames et messieurs. Je veux voir si ça répond. Il va se faire écraser. Tu te fais écraser partout, de toute façon, ici. C'est dangereux, non? Voiture de police comme ça. Je suis un petit peu déçu, ça se reflète pas partout. C'est un petit peu trop léger, je trouve. Moi, je... Après, les feux sont éteints, c'est peut-être pour ça. J'avoue que quand t'es en face, tu... Même si tu recules un petit peu, tu vois. C'est quand même vachement stylé. Hein. Je dois être le seul à prendre du temps à regarder les voitures de police. Bon alors ? Attends, ça va sur Arma for Life, quoi. Tous pareils, les flics, ici. Hein. Ah, bravo ! C'est Vivi qui est en Oscar, encore, là. Watch! Putain, c'était ciblé, ça, c'est pas possible. Il voulait vraiment nous tuer, lui. Oh là là. C'est dangereux sur la route, je devrais peut-être le déplacer. Bon! Putain, je fais le boulot des flics, là. Police, envoyez un message. Bonjour, il y a... une voiture de police qui est seule sur la route. Que faire? Merci de me donner la suite des actions à faire. Je l'ai envoyé. Je crois que je l'ai envoyé. Est-ce que je l'ai envoyé? Je pense. Comment ça se fait que sur le trottoir, ma vie soit en danger? Et alors, c'est marrant que personne ne vole la voiture de police, par contre. Vu comment les mecs y jouent, comment ça se fait que personne ne vole la voiture de police? C'est vrai? Non? Enfin, les mecs, ils tabassent tout le monde, ils voient une voiture de police, ils ont pas envie de la voler.
Vous êtes là, monsieur l'admin? C'est un admin qui est caché à côté en invisible. Tu sais, il est comme ça dans un coin. Et dès que tu touches à la voiture, boum, il te ban. Mon avis, ça doit être ça. Non, mais c'est vrai que c'est marrant. C'est interdit dans le règlement? Ah, parce que vous pensez qu'ils lisent le règlement, les mecs? Alors, du coup, on peut taper tout le monde. On peut braquer tout le monde. On peut menotter tout le monde. On peut insulter tout le monde. D'accord, c'est intéressant. C'est un sacré règlement, dis donc. Oh! C'est un sacré règlement que nous avons là. Intéressant. Je pensais que j'étais le seul à avoir un peu lu le règlement du coup. Très bien, très bien. Je note. Je note. J'avais... Non mais c'est moi, c'est vrai que... Parmi tout ce qu'on a vu aujourd'hui... le règlement, on a vu que c'était quelque chose de... Qui était appliqué par tout le monde, hein, voilà. On a vu que tout le monde a fait l'effort de le respecter, ça fait plaisir. Non mais c'est bien, au moins ils ont lu une partie du règlement, il ne faut pas voler les voitures de police. Alors c'est con qu'ils aient pas lu le reste, tu vois, les insultes, etc. Tu vois, il y a... C'est dommage qu'ils se soient arrêtés à la ligne 1. 1. C'est con. Alors, oh, pff, ça a l'air tellement passionnant en fait. Allez, on essaye de travailler vite fait, bien fait. Bonjour. Alors évidemment, il n'y a pas de collègues, il n'y a rien du tout, hein, ça aurait été trop beau. Alors ici... Oh. J'ai trouvé où je vais peut changer d'habit, mesdames et messieurs. Eh bien, vous savez quoi? Prochain épisode, on travaille. On va devenir... Oh, y a quelqu'un? Bonjour. Bonjour. Vous êtes couturière? Couturier, ouais. Je cherche le patron, c'est vous? Non, pas du tout. Mais monsieur, y a pas de patron, hein, ici. Ah, y a pas de patron pour gérer l'entreprise? Bah non, bah... C'est pour l'emploi, je crois pas. Enfin, je crois pas. Ouais, mais là maintenant on a un travail, donc je pensais qu'on avait un patron ou quelqu'un qui allait nous dire ce qu'on devait faire. Bah non, bah en fait tu prends... Bah, moi ce que je prends là-haut, là devant. À gauche t'as un espèce de... Genre un point où t'appuies sur E et t'as ta voiture. Après tu vas chercher de la laine, après tu fais du tissu, tu fais des vêtements. Après tu vas au point de livraison. Ah ok. Ah je sais pas du tout. Ouais. Ok. Oh y'a quelqu'un qui arrive. Ah ouais? Ah, ça... Non, c'est autre chose, c'est autre chose. Je viens de remarquer. Ok, pas de soucis. Okay. Bah, bon courage à toi pour le travail. Ouais, merci. Merci. Allez, bonne journée. Merci. Attends, il y a les flics qui arrivent. Quelqu'un arrive. Peut-être le respect. Peut-être le respect qui est en train d'arriver. Je veux voir ça. Ah, est-ce qu'ils sont venus? Pas sûr, hein. Il est toujours là-bas, hein. Il y a quelqu'un qui est en train d'arriver, vous avez vu? Qu'est-ce que ça peut bien être? Quelqu'un arrive. Jésus! Jésus! C'est toi, Jésus? Jésus! Jésus revient! Jésus revient parmi les tiens! Bon, et ben fin d'épisode. Jésus reviendra peut-être au prochain épisode, mesdames et messieurs. On va dire que c'est nous le patron. Exactement. Et en plus, chat de Schrödinger, donc... On est là. Du coup, c'est moi le patron. On dit ça? Allez, d'accord. Coucou Nico, bienvenue. Bon, du coup... du coup, fin d'épisode numéro insérer un chiffre. Rendez-vous pour le prochain. Parce que je suis toujours motivé à essayer de percer les secrets de GTA 5RP, mesdames et messieurs. Et de toute façon, au pire, derrière, j'ai un autre serveur où je suis flic, où on ira jouer dessus, etc. Donc... grosso merdo, on va tester un petit peu, voir un petit peu ce que ça donne. Et peut-être qu'on trouvera d'autres personnes à voir, tu vois. Ah, non, c'est pas Jésus, ça. Je crois pas qu'il ait son permis moto, Jésus. Bon, bisous. Quelqu'un arrive. Donc faites attention à vous, ça arrive. Salut, rendez-vous au prochain épisode. Insérez un chiffre dans le let's play. Vous savez, c'est un let's play avec des chiffres. Je sais plus à quel épisode on est. Bon, bisous à tous, cœur cœur. Et le mot de la fin sera... menotage. Non, médic. Le médecin il m'a fait trop rire. Quand il est venu, il me dit bah non, il a une arme, je me barre. Je fais bah. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un dollar par terre, mesdames et messieurs. Rigole pas avec ça, moi. Il y a un dollar par terre, vous avez vu? Ou alors c'est Jésus qui nous a donné un dollar. Bon allez, salut YouTube. À demain, bisous. Et merci Twitch pour les abonnements. N'hésitez pas à vous abonner. Connaissez Twitch Prime YouTube? Venez sur Twitch, allez sur YouTube, je vous mets tous les liens dans le chat. Allez, à demain, bisous.